Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live. Salut Canton, Chervel, ben oui Chervel, je viens de lancer. Désolé pour Chobiti. Alors, on s'était quitté hier, on s'était foutu en sécurité ici, très bien, dans la résidence des deux vilains, enfin, des deux vilains, des deux un petit peu tarés, on va dire. On va dire ça. Alors, Jessie, elle est là. On aurait pu l'envoyer avec Michael à la résidence d'Emma. Ça aurait quand même été plus pertinent, je pense. Mais bon. Voyons ce qu'il nous propose comme quête secondaire. Pas de son du jeu. Go get those tapes. Kick Mieux comme ça ass. normalement. If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. Oh yeah, I'll Y'a un get the truc qui guided déconne tour. avec le l'espèce de d'anti-mode streamer là. Mon logiciel de son ne le capte pas Oh hey, automatiquement. hey, you were looking for Michael, right? Well, guess what? We found him. He just Qui left. toi? I don't think too long. Roger. He said he was going back to them. T'es Roger. Ah, un marchand. Ah, mais y'a un marchand. Ah, mais y'a des marchands quoi. Bah voilà, on va pouvoir vendre. Alors, du coup, faut qu'on se souvienne qu'il faut vendre quelques trucs. Hein. Les pièces récupérées, on peut vendre. On en a plein. Je pense qu'on peut en vendre une cinquantaine facilement. Ouais, désolé, Ganton. Et non, j'ai pas lancé Chobiti, mais en fait. On devait éventuellement aller faire une petite balade cet après-midi et bah elle était un peu naze, donc elle était en train de s'allonger, se coucher et tout, donc je lui ai dit bah écoute, je vais lancer un petit live si t'es naze. Et elle m'a dit ok vas-y, et du coup j'ai lancé le live. Au moment où j'ai lancé le live, enfin ça tournait depuis 2 minutes là, t'avais dit Chervel, et bah elle m'a dit ah bah finalement je vais y aller. Donc bah du coup elle va y aller toute seule. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça remettra. Et les armes obsolètes, bah justement, je crois que les armes obsolètes, en fait, je les ai toutes démontées, malheureusement, juste avant, là, à la fin du live précédent. Sauf qu'on est blindé de pièces, donc ça sert à rien. Ça, éventuellement, je pourrais le vendre. Ah non, c'est que j'avais, non, celui-là, il est pas obsolète, c'est que j'avais plus assez de thunes pour l'améliorer justement. J'avais découvert qu'il fallait, des sous pour pouvoir améliorer. Alors, on peut peut-être vendre quand même 2-3 trucs, genre ça. 1600 balles, ouais, on va garder les objets pour les vendre plutôt que les démonter. Ce sera quand même plus intéressant. Bon, faut qu'on vire ça par contre. Hop, voilà. Le point de navigation, il disparaît quand on l'attend. J'ai pas l'impression. Normalement, maintenant, on a suffisamment de sous pour améliorer notre petit Wessi Wessi. Ouais, on en trouvera d'autres des armes, je suis pas trop inquiet, hein, clairement. Alors, on a quoi? On a de l'hémorragie, on n'a pas d'électrique, on va faire un petit électrique du coup. On a un truc enflammé, on va faire un électrique, c'est quand même bien utile. Et on va augmenter les attaques critiques. Et bah du coup, bonne route Chobiti. Oui, exactement. Du coup, on va faire cette quête. Normalement, c'est dans la même zone, hein.
Tac tac tac, ça c'est la quête principale. La maison du producteur en bas de la colline. Ah, juste à côté. Ok, donc nous on est là, c'est vraiment juste à côté. Il faut aussi qu'on fouille dans les piscines dans cette zone. Donc on va en profiter. Oh là, il y a plein de monde là. Sneaky way in. Et bim, le premier sang. Pas mal cette cette petite entrée là. Sérieusement, ça les a ratés. C'est tellement abusé. Hop. D'accord, ça veut pas les électrocuter visiblement. Bon, on va laisser les faire à la main, tant pis. Je suis toujours bassé là. Il faut quand même que je me relève. Voilà. Waouh, on se détend. Ok, ça c'est un électrocuté. On va le choper. Hop. Tiens, mange. Et remange. Et lui, on peut l'écraser vite fait avant de se faire électrocuter. On va s'éloigner avant qu'il nous pète à la tronche. Ok, il y a plein de batteries dans cette zone. C'est génial. Je suis joie. Oula. Et ça, c'est Dave. Si vous voyez Dave, dites que c'est Ricky qui vous envoie. Putain, la vache, même avec un coup dans la tête, il fait son relou. Ok, Dave. C'est fait. Looks like the tour's off. Alors du coup on va récupérer notre notre Wasibeshi. Téléphone de Dave. Le type qui nettoie la piscine ne s'est pas pointé. Tu te rappelles quand on l'a embauché qu'on est rentré à la maison pour trouver une piscine toute propre couverte de pétales de rose. Ah, j'oublierai jamais. Il s'attendait à trouver une nana le pauvre. La tête qu'il a faite quand on est arrivé, ça valait tout le fric que ça nous a coûté pour nettoyer ses foutus pétales. je ne me trompe pas, une invitation à son mariage. Ok, donc ça, ça nous permet d'avancer dans la quête où il faut qu'on fouille les piscines. Parce que oui, il faut qu'on fouille les piscines. Alors, maintenant qu'on a la clé, on peut rentrer. Ok, c'est pour aller dehors. God and Whiskey Master Tapes, where are you? Qu'est-ce que c'est que ces étincelles? Putting! Wouch! Il aurait pas grogné, il me chopait celui-là. Qu'est-ce que c'est que ces vieux. Ok, Farouk c'est fait. Alors, ça par contre c'est raté. Enfoiré. Du bois brûlé, un spock, des petites attaches. Y'a pas quelques petites trucs à bouffer? Allumer la, notre bonne vieille torche hein, parce que c'est bizarre cette espèce de truc là. Je sais pas si c'est un artefact ou si c'est voulu. Classic apocalypse style. Master tape number one. Man, old school. Old school. Ouais c'est ça, il y a bien des étincelles partout en haut là. Alors du coup, ça va par là. T'es mort toi? Ouais t'es mort.
Parfait. Un petit groupe électrogène 2 désactivé. On peut passer. Too Funk to Druck? That's a fucking awesome song. Too Funk to Druck. Tu crois deviner ce qui se trame à l'étage? Ah, dis-moi, avant que je monte. Qu'est-ce qui se trame à l'étage? Tout crame et tout prend feu? Tu prendras des photos, Chubity? Allez hop, allons voir à l'étage du dessus. Oula! Zombie house party. J'imagine qu'ils vont casser le truc. Ça serait un petit peu abusé sinon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer. Récupérer le petit bidon. Voilà, hop. On le bazarde, il y en a un autre. On bazarde. Toi t'es mort, toi t'es mort. Et ça on pourra le faire exploser si on a envie. Alors du coup il faut qu'on recouvre un peu tout ça aussi là tant qu'on y est. Comme des gros sacs. Putain, une vendeuse de livrou. Oh, Uber Eats en l'occurrence. Vous faites moins les malins là, hein. Ok. Danger ambulant. Tuer 10 zombies avec des dangers de l'environnement. Ah bah là oui, je pense qu'on peut parler de danger de l'environnement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une barre, un coffre. Il nous manque une... Oula. Ça pète encore. Ah oui, elle doit être dehors la dernière bande originale. On va attendre, hein, ça va s'éteindre tranquillou. Tiens, bon, on a même de l'eau si on veut aider à s'éteindre. Ah oui, c'est ça qui a explosé. L'eau était jusque là, d'accord. Coucou, un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Encore plein de batteries, ils avaient un problème avec les batteries dans cette maison. Ça devrait suffire pour un best-of. Alors du coup, la maison elle est ici. Ah, il y a un petit kit de soins, je l'avais pas vu. Encore une batterie. Oh hey. Est-ce que je fais vraiment de la musique? C'est ça qui est difficile à savoir dans le jeu, c'est si c'est de la musique d'ambiance ou s'il y a vraiment de la musique et genre ça attire les zombies quoi. J'ai l'impression que ça les attire quand même un peu là. Hein. Par contre, pour descendre, je peux peut-être essayer d'atterrir là-dessus. Ça fait des dégâts quoi qu'il arrive. Alors, c'était par là qu'on est rentré, mais c'est pas dit. Oh putain. Par toi, toi. C'est pas dit qu'on puisse sortir par là. On va voir, mais j'y crois pas. Non.
Alors, pas grave, on va fouiller un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose, une tondeuse renversée. Ah là, une sortie. Là-bas, il y a quelqu'un qui prend des dégâts tout seul. Ah ouais, on peut foutre le feu, exploser ça pour pouvoir ouvrir ici. Pourquoi pas? J'aime pas cette... On a réussi à le tuer sans faire exploser sa grenade. Donc... Waouh! Voisin fouineur quoi. Donc... C'est pas très gentil de venir fouiner. Une clé de coffre de garage, parfait. Un contaminé tranchant. Ah, il est immunisé contre le... L'hémorragie, cet enfoiré. Une nouvelle carte de survivant. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, Carla et Ryan uniquement de la dynamite. Un pied joint déclenche une forte explosion qui réduit la stabilité des ennemis proches. Oh, c'est pas mal. À la place de la trousse de soins. Pied joint. On est d'accord que c'est ce truc là, hein. Ouais, ok, c'est le saut comme ça. On va essayer, tiens. Est-ce que je reprendrai pas blocage en vrai? Parce que l'esquive, c'est vrai que c'est quand même compliqué des fois. Wap, putain, je l'avais pas vu elle. Et l'autre qui m'attaque par derrière en plus. Ouf, ça fait mal ça. Ok, ça a l'air d'être calme. Alors ici, il y a l'air d'avoir de l'électricité, des flammes. C'est un petit peu la teuf. Oups, alors ça fait un petit peu laguer le record là. Non, ça y est, c'est bon, ça s'est débloqué. Vache. Un petit peu trop d'effets, tu les fais. Alors, ingénieur à cran, je suis sur un relèvement pardon, pour un client. Les mesures sont vraiment bizarres, le matériel s'affole, les interférences dans tous les sens, les chiffres n'arrêtent pas de danser. Quelqu'un a déjà vu un truc pareil. Fais attention à toi, l'épidémie n'arrête pas d'empirer, il conseille à tout le monde de ne pas sortir. Yasmine dit que ça pourrait vraiment dégénérer. T'es sûr que t'as pas une ligne à haute tension dans le coin? J'ai la même sur mon matos à la maison, c'est chaotique mais avec une augmentation progressive si on prend en compte le bruit. C'est quand même pas un séisme? Quoi? Un séisme en plus du reste? T'es dans quel coin de la ville, Sid? Est-ce que les interférences varient quand tu déplaces ton équipement? Sois prudent, ne viens pas attirer le virus de la mort. C'est raté visiblement. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant à part ça. J'arrive pas à voir ce qui génère l'électricité. Ah si, le câble qui est là, d'accord. Donc on peut pas vraiment l'arrêter. Bon. C'est pas tout ça, mais on avait des trucs à livrer. Il y a une saloperie avec des abeilles là. Ah, un fucking écraseur. Ok, il est coincé de l'autre côté. C'est parfait. J'ai envie de dire. Coucou. Oh hey, I don't remember calling a. Do we have an interview scheduled? Oh, come on, Ricky. Ils sont complètement défoncés, quoi. I just went and got the stupid master tapes from your zombie producer's house. Farouk's? Oh man, Dave's gonna be like heartbroken. Shit, sorry. They're both gone. Sad note, man. Like,
ballad worthy. There was this one track we laid down and... Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. Yeah, I know. You already... Sure. It's like a miracle or something. This is fucking awesome, man. I'm gonna listen to them right away. Oh, there's some gems on here, you know? Some real gems. I think. Hey, thanks. You're like a guardian angel of rock. Or a babysitter who needs a new job. Hello, Mick. Like my pa once said, nothing in this life's free except for death and taxes. Sauf la mort et les impôts. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Perche acide d'électrocution. Oh, ça a l'air sympa. On va aller améliorer cette perche châssis qui m'a l'air tout à fait prometteuse. Oula. Ils ont l'air énervés de l'autre côté du portail. Hein. Alors, on peut lui mettre deux avantages à lui. Je pense que les dégâts aux membres, c'est pas mal. Et les coups critiques et les attaques puissantes, ça me fait plaisir. On va réparer ça. On va commencer à garder, je pense, que les armes bleues. Ah mais je l'ai pas amélioré mon marteau bleu. Marteau bleu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te mettre? Perforateur, ça marche bien sur les marteaux. On va augmenter encore un petit coup les dégâts. Voilà, on est pas mal là. Ça commence à faire un petit peu mal. On va aller vendre 2-3 trucs. Hop là. Un pistolet à clous. Waouh. La classe. Du coup, on peut acheter ça. On va le prendre, je pense. On va pas s'embêter. On peut acheter des munitions, c'est pas très utile. Qu'est-ce qu'on a qui fait le moins de dégâts? Ça, allez hop, on va vendre, c'est un peu endommagé. Le bâton beau, ça va. On a déjà de l'électrique et du hémorragique. On va garder les flammes en cas de besoin. T'as pas de nouvelle quête, toi c'est bon. Ils vendent pas des fusibles au fait? Mec, tu vends pas des fusibles? Si, ils vendent des fusibles, il y en a 3. On a plein de thunes, on s'est fait péter de thunes. Hein. Effectivement, quand on vend des armes, ça va un petit peu mieux. En termes d'équipement. On peut grider là? Ah non, on peut pas grider. T'es quoi toi? Ah t'es un écraseur, ok. Très bien. Tu veux pas monter sur cette poubelle et sur le toit après? Non. Non, ok. Tempi. Donc... En termes de quête, ici on n'a plus que celle-là à Bel Air. Alors sauf si on fait la quête. Non, c'était pas ça, c'est ça. Le Cleanest Nash. On peut trouver une arme légendaire. Alors du coup, on a fouillé cette piscine là, on a fouillé cette piscine là. Il y aura encore une piscine ici éventuellement. C'est sur notre route. Par contre on peut pas mettre de marqueur quand il n'y a pas de point d'intérêt, c'est dommage. Il
Il y a plein de trucs à fusibles qu'on n'a pas ouvert aussi. On n'a pas ouvert le truc à fusibles qui était là. Tiens, on va essayer d'y aller. Allez, on est reparti. Putain, il y a des bombes partout quoi. Barre-toi! Barre-toi de mon chemin. Hop là. Oh! Cet échec. Littéralement un échec critique là. L'assaut au bas tombeau, il est quand même classe. Hein. Faut avouer. Ah ouais, donc ici c'était un truc à fusible, effectivement. J'avais pas vu. Ça c'est fait. Ah! Enfoiros. Alors en fait Kenton, du coup tu t'as pu te prendre le jeu, ça t'a plu? T'es bien amusé? Un petit Oyo. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, sérieux, le sprinter brûlant qui a foutu le feu à toute la zone quoi. Enfoiré. Cartouche de fusil à pompe. Ah, il me faudra un fusil à pompe. Ce serait cool un petit fusil à pompe. Bon. Faut qu'on sorte. Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais, on va sortir la petite bombe qui éteint les flammes. Voilà. Alors, je crois qu'on avait des bidons d'eau. Ouais, on avait peut-être des bidons d'eau, c'est pas grave. Donc la piscine, elle était pas trop loin. Tu testes les différents débuts? Ah ouais, j'avoue qu'ils ont... ils sont sympas les personnages. Je sais pas si les compétences sont vraiment, vraiment game changer, mais... Il a l'air d'avoir une petite entrée, ouais non c'est pas c'est ce truc là. Il a l'air d'avoir une porte quand même à droite là. Ouais voilà. Je sais pas si on a déjà été dans cette maison. Je suis pas sûr. Ah bah si, c'est la maison de Michael. Il y a une piscine Michael ? Ah, il est complètement de l'autre côté la piscine. Je vais du mauvais côté, mais du coup ça doit pas être lui le... La petite nouvelle dont le mec, le nettoyeur de piscine était amoureux. Il y a du verre là. Oula. Ça grouille de sprinter brûlant. Ça grouille aussi de contaminer. Ah, l'autre qui survit juste derrière le corps. Tiens, toi, t'es mort. Ok, c'est bon, on s'est calmé, on va pouvoir aller fouiller un peu la zone. Très bien. Note pour Michael. Et mon client préféré, j'ai nettoyé la piscine exactement comme vous l'aimez, j'ai jeté un bon paquet de chlore, l'eau est étincelante, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai remarqué que vous avez une de ces bouillants licornes qui flotte toute seule. La pauvre, il faudrait une copine, vous croyez pas? Vous étiez pas chez vous quand j'en ai fini, mais je me suis dit que Monsieur Anders c'était un mec cool, il me laissera lui emprunter un jour ou deux. Ma nana meurt d'envie d'en avoir une et elle a une jolie bouée en pizza pour lui tenir compagnie. Ok, lui a piqué sa truc en licorne quoi. Heureusement que Shogiti est pas là parce que ça aurait été le scandale là. Ah, ton frangin va le prendre pour un petit run-co, bah ouais, je comprends. Ouais.
Je comprends, je comprends. Ok, donc il faudrait qu'on trouve la maison qui a une... En même temps, il n'y a plus beaucoup de piscine. Hein. Il reste ici. On va aller chercher ça. On va se mettre un petit point. Pas les petites musiques en mode vous avez rencontré un zombie spécieux, attendez-vous à crever. Ah, attends, j'étais poursuivi par un sprinter quoi. Voilà, ça c'est fait. Maintenant ici, il y a quoi? Va dans la truc toi. Toi aussi. Quoi, il y a un truc, attention. Ah putain, ça pète de partout. Saloperie. Ok, un petit peu de loot, on a du bidon d'eau si on veut arrêter les flammes éventuellement. J'espère que la voiture n'explose pas. Ce serait ballot. Elle est où ma grosse caisse? Ok, elle a la grosse caisse. Il va falloir que on fasse quelque chose. Alors le problème c'est qu'il y a un... Je suis pas sûr de pouvoir compenser suffisamment là. Ah non, je suis en train de me liquéfier. Bordel. Répandre. Non, c'est bon, à tout prix. Hop là. On a chopé un petit marteau jaune, n'importe quoi, bleu. Donc ensuite, on est ici. Il y a une piscine au fond là. Donc on pourra essayer de fouiller cette maison. Faut juste qu'on trouve comment rentrer. Par là, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On n'a jamais été encore ici. Alors j'allais bien dire qu'il y avait des pétales de rose, mais... C'est peut-être pas le bon endroit. Après c'est possible aussi qu'on n'ait pas les quêtes qui se débloquent parce qu'on n'a pas encore débloqué les bons zombies. Hein. Ça fait partie des possibilités possibles, on va dire. Même si cette quête avait l'air d'avancer quand même. Parce qu'après il nous reste cette piscine là éventuellement, c'était le truc en chantier, je suis pas convaincu. Bon, on va peut-être essayer d'avancer la quête principale quand même. Hein. Allez, hop. Ou on retourne à l'hôtel. Allez, on va... Il y a bien un moment où on va avoir un moyen de se téléporter quoi. Attends, c'est à 300 mètres. Je vais vérifier quand même. Est-ce qu'on peut vraiment pas... Il n'y a pas un bouton téléportation, un truc du style? Non.
elle est quête disponible. Je peux voir la quête. Non, il n'y a pas moyen de se téléporter. Hein. J'espère qu'ils vont l'ajouter à un moment, parce que ça va être un petit peu long sinon. Clairement. Ou alors au moins qu'on puisse conduire, même si conduire ça reste compliqué dans ce genre de jeu vu le bordel que c'est. Il y a des bons zombies, il y a des zombies moins chiants que d'autres. Non non, pour les uniques, il y a des bons zombies. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, dans la maison de du vieil acteur là, il y avait la fausse avocate qui récupérait la... Un vélo ce serait pas mal ouais. Qui récupérait la... qui récupérait les clés du coffre. Et bah en fait je suis tombé totalement par hasard en allant raider Morrigan sur le moment où elle tué ce zombie là que nous on n'avait jamais réussi à trouver, et en fait c'est parce que c'est un hurleur. Et du coup bah on a encore jamais eu de hurleur. Ça a l'air sympa ici, on n'a pas été encore. Du coup si maintenant qu'on a débloqué les hurleurs on y retourne, et ben on devrait pouvoir le débloquer. Enfin, en tout cas pouvoir le taper quoi. C'est pour ça que je pense qu'on a pas encore débloqué tous les trucs du jeu en vrai. Sérieux. Je le bloque et le mec il tombe à mes pieds comme une merde quoi. Franchement, c'est pas la classe. Oh, une épée tactique. Ça c'est cool. Par contre, on peut toujours pas rentrer dans cette maison. Là, elle a fait un petit bruit quand on s'est approché, alors je me suis dit il y a peut-être un truc, mais... Ah putain, il y a un... Et merde. T'es sérieux, truc? Ah bordel. Tirons-nous. Tirons-nous. Il y a un panneau là, mais il faut que tu te tires quand même. Bon, on va se mettre dans cette petite maison sympathique en attendant. Mettre une petite lampe de poche. Trousse de soins, on est plein. Bon, je pense pas qu'ils me suivront jusque là, ils vont être attirés vers la... Par contre, il y a un bruit bizarre. Et c'est vrai qu'un petit vélo, ça serait cool. Putain, il m'a surpris lui. Enfin, elle. C'était un petit peu trop calme dans le coin. Bah, tu viens d'où toi? Ah, c'est la maison avec le mec qui s'était fracassé à vélo là, je me souviens. On était tombé sur un hurleur là-dedans. Ok, donc on l'a déjà fouillé en fait. Donc c'était un endroit bien pratique pour se replier, mais c'est pas non plus... C'est encore à 100 mètres, hein, dans l'endroit où on veut aller. Ouais, après c'est vrai que si on trouvait un vélo, on serait bien capable de le ramasser pour aller taper des gens avec.
Alors attends, là on est par ici, si on veut sortir, on peut sortir par le garage et prendre la route. Et on devrait arriver là où on veut, donc demi-tour, ôter le garage. Recule-toi, je t'ai dit, tu m'embêtes. Peu de munitions, ça mange pas de pain. Lui on pourra pas le semer. Donc on le tue, voilà. Et donc on prend la route par là. On va repasser devant la saloperie qui s'était déclenchée là. Et on couvre par ici. Oh, un vieux jeu, salut John. J'espère que ça va bien. Vieux, bah non, il est sorti jeudi. Même pas, vendredi. Quand même pas parler de vieux. Ah, il y a des zombies qui sortent de partout. Cassons-nous. Hop. On retourne à Bel Air. Après, tu confonds peut-être avec le premier Dead Island. Je crois pas que je me sois foiré dans ma zone, mais dans mon truc. Il explose. Voilà. Oh, t'as même pas tué l'autre. C'est dommage. On va devoir aller l'écraser à la main. Dead Island, c'est pas récent, non, John, mais ça, c'est le 2. Justement. Effectivement, le Dead Island d'origine, il a 10 ans, et Riptide un peu plus de 10 ans, et Riptide 10 ans. Mais là, on est sur le 2. Alors, dites-moi si je me suis foiré dans la configuration de Twitch, mais j'ai bien configuré pour le 2. Rassurez-moi. Donc là, il faut qu'on retourne là-bas. Et si John, 10 ans après, ça y est, le 2 est sorti justement, bah là, tout récemment. Vendredi, je crois. 21, c'était vendredi, il me semble. Alors du coup, on peut ouvrir la boîte à fusibles ici. Il a quand même un petit peu évolué graphiquement, on peut pas dire. Quoi ce bruit là? Il y a un zombie qui est tombé de là, c'est ça? Ah oui. Exprès pour que on mette un coup au bagnole. Ah putain. Mange ça. Ok, c'est géré. C'est un petit peu vide comme coin là, un couperet, ouais bon un couperet. Pas assez d'allonge sur le couperet, toujours pareil. C'est pas mon truc. Alors, par ici. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ah putain. Ok, alors là va falloir qu'on prenne. Ah bah tu vois, elle est là l'avocate. Maintenant qu'on a débloqué ce qu'il faut. Ouais, on va taper les jambes, ça devrait les calmer un peu. T'as une hurleuse, t'es pointé jusqu'à moi. Espèce d'enfoiros. Où est-ce qu'elle est l'autre? On est en train de recharger son cri. Putain, même mes balles n'arrivent pas à la toucher quand t'es cri comme ça là. Bon, par contre,
Ça a un petit peu attiré la foule, on va tenter... Oh putain c'est ouf comment quand j'ouvre certains menus, ça se met à laguer à fond quoi. Ok, ça a explosé. Bon. Hop. Voilà. Ça c'est fait. On crie pas dans la bibliothèque, c'est pas une bibliothèque. C'était un petit pavillon. Et donc tu vois ce que je disais, Canton, tant qu'on n'avait pas débloqué les hurleurs, eh ben on pouvait pas avoir ce zombie spécial. Et maintenant qu'on l'a, on a notre clé. Tiens, mange. Et maintenant qu'on a notre clé, on peut aller ouvrir notre coffre. On arrive à se frayer un chemin jusque là bien sûr, parce qu'il y a foutu du monde hein. Hop, on boit les petites boissons, c'est bon. Alors le coffre, il était dans les petites zones là, voilà. Parfait. Revolver lourd de tacticité. Ça c'est du nom. Donc on a un nouveau flingue. Nice. Par contre il va nous falloir un établi si on veut tout améliorer. Ouais les coffres de l'hôtel on les avait tous pillés. Déjà on avait trouvé toutes les l'hôtel Hartling là, Alpering, bah là où on va d'ailleurs. On les avait déjà trouvé toutes les tous les trucs de l'hôtel et on les avait pillés. De mémoire il n'y en avait plus, enfin en tout cas des petits coffres d'origine il n'y en avait plus. Je suis sûr qu'il y a un truc avec ces colis là. Ils sont un petit peu trop caractéristiques. Ah putain, il y a un gros tas là-bas. Alors ça, la quête me dit que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Ah oui, le Trouara. Ok, il faut que je retraverse le Trouara pour aller tout là-bas. Et là, il y a un fusible. Allons voir. Je vais peut-être avancer la quête principale pendant que je suis là en fait plutôt. Parce que si jamais ça nous débloque le voyage rapide, ce serait quand même assez plaisant. L'autre il explose là. Bon ça c'est un mec de base. Allez hop. Faire le tour. C'est quoi le pitch du jeu? Alors le pitch du jeu c'est que d'une manière ou d'une autre l'apocalypse zombie s'est répandu à Los Angeles, à LA, Hell Hay comme ils disent, Hell comme l'enfer. Et nous on était une survivante, on a réussi à prendre un avion pour se tirer, mais malheureusement pas de bol. Je peux pas passer. Ah, interphone. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Oh ! Putain, c'est un explosif. Et malheureusement, il y avait un zombie dans l'avion. Du coup, l'avion s'est fait missiler en vol. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Suite à quoi, eh ben, on se retrouve à LA à essayer de survivre. Et comme dans le 1, on fait partie des rares à être immunisés à l'infection. Michael came back. He said you saved him. I was wrong about you.
Hey, I made a promise. Gracias, madrecita. Where is he? They're all in the gym. Ils sont dans la salle de sport. Bah écoute, pourquoi pas. All right, you're all here. Oh merde. Damn, man. How long you been bit for? It's nothing. Oh my gosh. Shit, we got to deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andrea, see if she's okay. That. This ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. The same thing that happens to all of them. Now let me... This is my house. It is my rules, Sam. Go. Et Sam, c'est un des personnages lui, hein, du coup. Le fameux rappeur. You know what you've got to do. Yeah. Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. I'll get you help, okay? Emma, it's time. Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. Move! He's gonna... You don't know that! Hey. The 2019 Best Supporting Actress Romero goes to... Oh. Oh, my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. I'm zombie proof. I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Michael. Éloigne-toi. Michael. Éloigne-toi. Michael, please wake up. Please. Okay, get away from him now. Fuck you! Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Move! Emma. T'es conne ou quoi? Get out of my house. What happened? Michael, zombie Michael. He was going to bite Emma. She's really pissed. I'm sorry, madrecita. I have to go. Non, j'ai pas l'arme, Canton, c'est Sam qui me l'a filé en sortant de la pièce. Il m'a filé le pistolet en mode, bah tu sais quoi faire. Ah, on peut fabriquer des balles de pistolet. On va prendre. On va lui prendre ses deux fusibles, comme d'hab. Et on va lui vendre peut-être quelques trucs. Alors, on avait trouvé un gros marteau. Allons-y. Là on est remonté à 68. Et maintenant je l'ai plus. .27, .2, .50, .90 ici. On va en vendre un peu. Voilà. On est pas mal. Et on va vendre ce bon vieux bâton. Alors est-ce que... Si je le répare, il vaut plus. C'était 1000 balles là et là. Ah oui, il vaut carrément plus. 2000 maintenant si je le vends. Allez hop. Voilà, parfait. Et là du coup, j'ai le pistolet que j'ai récupéré chez notre bon vieux Curtis. Une épée tactique. On va pouvoir améliorer ça et ça. Donc on va vendre la... On va vendre l'épée d'officier. Hein. Alors, déjà, toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut mettre des trucs hémorragiques ou alors des dégâts physiques. Non, plutôt des dégâts physiques sur une arme à distance. Rechargement tactique. Tuer un zombie donne un bonus de vitesse de rechargement. Ok. Et il a un chargeur de grande capacité. Alors, augmente les dégâts, augmente la vitesse de rechargement. D'un coup, on va prendre ça. Là. On avait mis ce truc là. Chargeur rapide, ça me va bien. Ici. On l'avait bien amélioré. On a ce marteau là. Alors, du coup, on a.
On va mettre un truc comme ça. Augmenter la vitesse d'attaque. Et les coups critiques. Celui-là, donc là on a du... de l'impact, on a de l'hémorragique, on a de l'électrique, il nous faudrait des flammes éventuellement. Oh oui, le marteau enflammé quoi. Plus de dégâts. Le coup près on va le virer. Et on pourrait garder l'épée, mais je suis pas fan. Ça on va réparer. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Bah ouais, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, John. D'ailleurs, on voit très bien que le... Pourquoi ? Ah non, putain, faut que je sois dans l'établi pour le voir. Le chargeur, il fait 6 balles. Donc, de toute façon... Il a un chargeur de grande capacité, de capacité normale. Ah non, on peut en mettre 8. Ah, on peut mettre 8 balles, c'est juste qu'il est pas chargé à fond. Bah écoute, je sais pas, peut-être qu'ils ont un peu rangé le truc. On verra quand on l'aura devant nous. Ah, ils ont un petit peu serré les munitions. Donc on peut en mettre 2. Bah non, normalement là c'est 6, hein. 2 de chaque côté, une en haut, une en bas. On verra quand on l'utilisera. On l'a pas utilisé encore, donc ça va pas débloquer la vue peut-être. L'épée, est-ce que je la garde l'épée? Je sais pas si je la garde l'épée. En vrai, on a déjà la lance là. On a deux flingues. Bon, le couperet. On va vendre l'épée et le couperet, je pense. Ça coûte quand même assez cher. Hop là, voilà. Du coup, est-ce qu'on peut trouver éventuellement Sam? Bon, à la base, on devait la convaincre de venir avec nous à Santa Monica, mais c'est mort. Hein. Très clairement, c'est mort. Ouais, avec un barillet plus. Hey, I can't do this. Don't go. I gotta. Sam's tough. He'll keep you safe. Sam? You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? Once he gets inside them as bunties, we're all fucked. Hey, there you are. Shit been way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. Says you. Move out of the way. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes, stay. I'm immune and they want me for a vaccine. You think I'm gonna lock myself indoors? Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. When I had to get around Banoi, I used the sewers. I ain't saying they're safe, but you can line them up. You'll be back. Hey. Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. You'll be okay, Madresita. C'est vrai qu'il est un petit peu relou, Sam. Hein. Mais bon, c'était déjà le cas dans le 1. Hein. Sewers, you better not be gross. I mean, too gross. Ok, donc on va avoir droit aux égouts. Et bah... Génial. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait 8 balles hein. 1, 2, 3, 4, non il y en a 6. Donc ouais, c'est juste pour le délire des devs. Mais il y a bien qu'un barillet de 6 balles. Et nous on va prendre notre petit... Waouh. Alors, suivons les égouts jusqu'à Santa Monica. Alors est-ce qu'on peut sortir par là? Oui, il y a une poubelle. Ah, une saloperie avec des abeilles. Bah au moins ça fait mal. T'es obligé que ce soit la nuit? Hein? Alors où est-ce qu'on va?
on est ici, ça serait carrément plus rentable de sortir de l'autre côté en même temps. C'est vrai qu'il y avait un truc à fusible ici que j'ai toujours pas été chercher. Je vais aller chercher quand même, si je peux revenir. Parce que si c'est scripté, je peux peut-être pas revenir tout de suite. Non. Ok, pas de soucis. Il y a un peu des pics là. Diantre. Non, je suis coincé par là. Bah écoute. Très bien, je. Allons-y, allons par là du coup. C'est ça. Dissous-toi, pourriture démoniaque. Du coup, c'est de l'autre côté. On veut aller par là, on veut descendre, là il y a un coffre. Et on arrive, bah on va descendre la rue, hein. Allons-y. Et on peut pas. Parce que tu peux pas monter par-dessus ça. Non hein. Ok, du coup. Ah mais il me dit qu'il faut que j'aille par là. Putain mais je... Sérieusement. Y'a pas d'autre entrée, y'a pas d'autre sortie. Là-bas je crois que c'est fermé. C'était fermé, c'est peut-être ouvert maintenant. Ah mais c'est ouvert maintenant, fantastique. Tirons-nous. Ah bah voilà, c'est plus rapide effectivement. Bon par contre je l'ai mis où mon... Ah bah oui voilà, il faut virer ça là. Supprimer le point de navigation, c'est F3, ok très bien. On va le mettre là plutôt vu qu'on est pas loin. Le mec qui est immunisé, on le voit d'ici quoi. Ok, il s'en branle que je le bloque visiblement. On va y aller à l'ancienne avec le gros marteau. Voilà. Putain, casse-toi, y'a de l'eau ici. Recule. Non, non, putain. Enfoiré. On prend ça. Un revolver lourd. Ben voilà. Il est lourd, c'est qu'il a pas un gros chargeur. Ou alors il est lourd parce qu'il a un gros chargeur. Ah si, des fois. Voilà. Il manque un peu de précision. Que le point disparaît automatiquement. Nickel. Ça c'est un hurleur ça. Bon, j'ai pile poil un assez gros chargeur pour le tuer si je la rate pas. J'ai pas masse de munitions. Faut dire ce qui est. Ah putain, puis on a un autre enfoiré là qui m'envoie des
saloperie. Ok, si c'est comme ça. C'est toi là qui m'envoie tes saloperies là. Non mais oh. Pourquoi il a une petite Faut que je le tue. Voilà, ça c'est fait. Avancer dans le tunnel à l'odeur fétide. Ils savent envoyer du rêve hein. Here we go. Trusting you on this one, Sam. No, you can't line them up. Voilà, ça c'est fait. Alors au fait, j'ai monté de niveau, j'ai débloqué des cartes ici. Appuyer sur V porte un fort coup au sol qui réduit la stabilité. Ah. Pas la peine de tenir ta tête, hein. On va te donner un petit mal de crâne des familles à l'ancienne. Et à toi. Voilà, il va électrocuter ses propres potes. C'est parfait. Exactement ce qu'il nous faut. Il explose, non, quand on le tue. C'est bon. Ok. Faut qu'on ait récupéré notre gros marteau. Pas question de le laisser là. Ouah, tu sors d'où toi? Il va exploser. Non, si, voilà. Ah mais putain, il tombe de n'importe où là. Sérieux. Faut arrêter là. Pas passer. Toi, retombe par terre ou décède. Ce que tu veux, ce que tu préfères, ça me dérange pas. Souffle par l'autre côté. Ah. C'est embêtant. Il y a des petites planches là. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va ouvrir hein. Ok, on doit revenir. C'est quand même mieux. Faire à béton c'était peut-être pas utile mais bon tant pis, au pire on le vendra. Volant de vanne, ah volant de vanne, cool. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tuyau caustique. Ah
Oh putain. Un fucking baveux. Dans le truc caustique quoi. Toujours agréable. Il nous vomit dessus à travers le mur. Ok, voilà, il est sorti, c'est déjà ça, on va pouvoir aller déjà lui mettre une petite fessouille. Et si on est dans l'eau, il peut pas nous dissoudre. Voilà. Ah, t'es moche. Encore un Oyo, prends. Ouais bah ça a l'air pas mal. Ouh, carrément la petite ciné. Someone there? Hey. Hey, tu sais bien que c'est un zombie, qu'est-ce que tu fais? Puta madre! Quick, get inside! Dude, that was fucking awesome! I had a few tricks up my sleeve. I'm bad. Carla, I owe you, man. Hey, no. No need. Just glad I got to you on time. The fuck were those guys? Beats me. Bursters, I call them. Like walking bombs. Welcome to Shangri-La. Oh, it's okay. You can leave your shoes on. Cool. Oh, shit, sorry. It's a mass maid's day off. No, 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 I love it. How long you been fixing it up? Oh, how long? Yeah, long time. He's a peu fait cramer la tronche, le pauvre. People don't like my face. Yeah, screw the haters, bro. Yeah. You were in the army? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Could have been a lot worse. Un pilote d'hélicoptère, c'est exactement ce qu'il nous faut. You're into movies, huh? No, why? Because of... I gotcha. Yeah, man, no shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh, you like horror movies? Hell yeah. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kell, man? Omen of Kell, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like 20 times, man. I was just with Emma John. Saved her life. No fucking way. Emma John, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well. Yeah, great at getting everyone to kiss her. You know, A-listers. They need a badass like you at her place. You could really help out. What? No. Why would I do that? I mean, this is my home. And it's cool as shit, but who wants to stay in the same place forever? Look, I really want to watch Omen of Kell, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I was only watching it the other day. Where is Omen? To Kell. Yeah. Found it. Quand même l'air pas tout à fait très serein. Come on.
Will you please watch it with me? Sorry, man. There's a doctor in Santa Monica and he needs me for a vaccine. Can I get through here? Maybe. I mean, it's a long way. I got time to kill. You know, I could, maybe I could, just... I could, just... I'm sorry, I really need to watch Omen or Kel. Hey, no biggie. Self-care is important, right? You want to follow the signs for the Venice Storm Tank. Venice Storm Tank. Sounds exciting. Stay cool, man. Ok, sympathique le gars. J'ai un peu cru qu'à un moment il allait nous dissoudre et nous désmembrer lui-même, mais bon, visiblement non, c'est vraiment un gentil. On a notre petit casier. Électrocuteur à distance. Ouh, c'est bon ça. On peut mettre un électrocuteur à distance sur... Oh oui. Ça c'est cool pour pouvoir... Bon, on va prendre ça. On va lui remettre ça finalement à notre petit... Regarde, ça... ça c'est bon, John Peace. On a rajouté une batterie à l'avant et ça électrise nos balles. C'est totalement logique, non? Ouais, faut pas chercher la cohérence dans ce genre de jeu. Hein. Alors, on a récupéré des trucs, mais ça nous intéresse pas des masses au final. 7000 balles pour le ramener au bon niveau là. Putain, ça pique. Ah, c'est marrant, ça a l'air d'être un truc de base parce que là on passe du niveau 12 ou 13, c'est 7070. Et là, du niveau 11 ou 13, c'est 7147. Alors ça dépend peut-être de l'arme, ça c'est à deux mains. Non, c'est 7270 aussi pour celui-là. Ah, et on peut égaliser le niveau des armes à distance aussi, ça c'est cool. Mais bon, je pense que c'est pas hyper utile encore. On va juste mettre dans le casier les trucs qu'on compte vendre. Ça fera de la place. Tout ce qu'on a est amélioré. Ah, on a deux flingues. C'est vrai qu'on avait l'autre flingue aussi. Alors, est-ce qu'il est mieux? 221, 260. Augmente la force. Ok. Bon, on va le déposer lui. On n'a pas besoin. Hop là. Voilà, on a une place libre et on va prendre ce truc là, tiens. Hey Doc. Carla. Yeah, go ahead. Change of plan. It's just me. I'm coming through the sewers. The sewers? Not gonna lie. It stinks so bad, but I should run into less trouble this way. I hope you're right. When you reach Santa Monica, head for the Sterling Hotel on Ocean Avenue. I'll be waiting. Sterling Hotel? Okay. Il y a un truc avec les hôtels, hein. Mais pourtant c'est pas censé être particulièrement facile à défendre. Ah, ça crie un peu. Another exploder. Merde. Okay, il va traverser le caustique explosé. They blew the caps clean off. Ah, le vilain. Alors, les éclateurs sont gonflés de gaz explosif qui propagent la peste zombie. Heureusement que vous y êtes immunisé. Attendez-vous à une grosse explosion. Ok. Ils sont vulnérables aux dégâts hémorragiques, les écraseurs. Tiens. Ça, c'est cool. Tu es dit baveux. Tu es dur. Alors, on aura bientôt leurs points faibles à eux. Alors, du coup. On coupe ça. On met l'eau.
Alors, on va combattre dans l'eau, donc on va pas prendre. Ah, ça électrocute quand même un truc tout là-bas. Intéressant. Storm tanks this way. Gotta get past the gate. Quelque chose me dit que ça sent l'arnaque, cette bassin de rétention là. Je le sens très mal. Ah, là-bas il y a un truc. On peut rentrer? Non. Yeah, sure. Trouver le code, sérieux quoi. Alors je prends une autre arme des fois que je dois me battre parce que c'est à quoi se faire électrocuter vivant cette connerie. C'est tout verrouillé partout. Est-ce que je suis le seul à trouver que ça pue du cul? Some kind of blockage in the main sep. Ah merde, j'ai réussi un défi et en même temps. Voilà, oh ça, la notice d'utilisation. Erreur numéro E877 indique une obstruction de la fosse septique, fermeture automatique des vannes pour bloquer tout reflux. Pour désactiver l'erreur et engager les vannes, faut au préalable déboucher la fosse septique. Code de la porte 16 12 80. Parfait, parfait. Hydrostatic shit. This is it. Et bien sûr, on n'a pas de volant de vannes. Alors, à tous les coups il doit être là, ouais, il est là-bas, en plein milieu du truc caustique. Fantastique. Est-ce qu'on peut envoyer un petit peu d'eau? Oh, it closed after a second. Bye-bye, leaks. Bon, bon, on va utiliser les bidons. Bidon. Bon, bah ça disparaît tout seul. Gotta get the numbers to match the right pressure. Alors, déjà on prend ça. Ah, yeah, there we go. Donc là on est à 10 et l'autre il faut qu'on soit à 75. Bingo! Just one left. Alors, à toi du coup. Ah non, il est à 55 là. Zut. Get everything moving. Ok. Sluice gate should be open too. Ah putain. D'où il sort ce con? Défendez-vous. Bien sûr.
Merde, un explosif juste derrière. Tête. All right. Let's get this over with. Oh. Merde. Sympa. What is all this crap? Poursuivre. Ah, vache quoi, c'est d'ici que ça vient là, toute la vase caustique dégueulasse là. Just flush it all down the sewers, guys. Great plan. Ah ouais, c'est les cadavres dissous de tous ceux qui ont été balancés dans la piscine et remis balancés dans les égouts derrière quoi. C'est magnifique. Ah merde, ils sont en combinaison eux. Il y en a un autre. Hop. Bon, tout ça c'est de l'eau, j'ai pas vu le volant de van. Ah, j'ai plus de fusible, merde. C'est pas cool ça parce que je vais pas revenir tout de suite hein. Bon, progresse. More caustic vomit oh freaks. La vache. Did they evolve down here? Bah, ça me paraît pas déconnant qu'ils aient évolué là, ouais. Ah, puis ils crachent à travers en plus, les enfoirés. J'ai plus de balles de flingue. C'est embêtant. Ok, vous l'avez cherché. Ah, mais vous pouvez tirer et pas moi, c'est ça? Ok, très bien. C'est pas cool ça. Oh, un petit cocktail Molotov, mais oui. Mais c'est ça qui nous manquait depuis le début du jeu. Le cocktail Molotov des familles. Non, ils sont pas tous morts. Je peux pas pousser ça ? Si, ça y est, je peux pousser. Ah, un petit établi. Parfait. Ah non, absolument pas. Merde. Je pensais que c'était un établi, mais non. On va leur balancer un petit peu de carburant. Allez hop, on leur balance ça, ça marche sur eux. Ouais, ça a l'air, hein, plus ou moins. Ouais, bon, pas très efficace. Pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Par contre, là, il y a quand même un truc assez intéressant. C'est qu'on peut peut-être faire tomber ça. Ça fait mal ces enfoirés.
Bon, on a réussi à s'en débarrasser d'un certain nombre, mais pas de tous, hein. Allez, meurs. Ok, parfait. C'est pas si mal. On a refait le plein de balles de pistolet là? Absolument pas. Ah non, c'est des balles de pistolet, il y a des balles de pistolet et des balles de revolver, intéressant. C'est plutôt bien fait. Par ici, ok, parfait. Wonderful. Someone took the breaker. Trying to keep this shit locked up. Ah merde, j'en ai pas vu de disjoncteur là. Venice is this way. Où est-ce qu'ils ont planqué le disjoncteur, les petits coquins? Fouiller. Dans les trucs sur les côtés, là, c'est vraiment juste des tuyaux. Ouais, tuyaux, pas de porte, ok. Rétablissez le courant de la porte. Aïe, mais oui, mais bon, comment te dire hein. Dans la merdasse. En face peut-être, j'ai raté. Ah, une porte là. Cool, une porte. Non, je suis pas mort. Rebonjour Chobiti. Rebonjour le chat. Un disjoncteur, parfait. Est-ce que ça coupe tout le courant là? On dirait que oui. Et alors du coup tatata, y'a rien d'autre. Là on peut passer par en dessous. Et du coup vu qu'il n'y a plus de courant, on peut aller par là. Un pistolet mitrailleur. On a un PM, les gars. Canton te dit rebonjour. Rebonjour, Canton. Mince, je voulais prendre le truc qui était en dessous. Tant pis. Il y a un petit interdit, c'est donc qu'on a
le max. Hop, on passe avec Ndo. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Faut que ça se réactive là. Faut que ça se réactive là. On a dit qu'il était faible face aux hémorragiques. Vas-y, reste dans les flammes si ça t'amuse. Merde, raté. Ouais, il y a un petit ralenti quand tu tues les derniers ennemis. Il faut que je le mette pas très loin là-bas. Attends, par contre, c'est encore plus en flamme qu'avant, j'ai l'impression. On va se faufiler par ici. Faut que j'aille le mettre là-bas. Voilà. Bon, bah, on va espérer qu'il n'y ait pas trop d'autres zombies toxiques qui se libèrent hein, maintenant qu'on a ouvert la porte. Oh, come on. Now, really? Ouvrez la porte géante menant en enfer. Ça te tellement envie. On va d'abord regarder un petit peu ce qu'il y a comme éventuelle position défensive. Par exemple ici, ça m'a l'air prometteur. Une porte fermée, c'est très bon ça. Ouais, c'est bien ça. Bah écoute, tu me donnes envie avec tes bonbons, Chobiti. Je vais prendre un bonbon moi aussi. Here goes into the Hellgate. Ténèbres. Ah, on trinque au signe. Merci Canton. Pause devant le stress du cœur des ténèbres. Ouais, je m'attendais à un truc du genre. Bah ouais, voilà, faut que ça s'ouvre, faut qu'on tienne, un truc du style. Et j'ai oublié une caisse là-haut. Ouais, crie pas comme ça. Bon, ils sont tous morts en traversant le caustique. On va voir si on peut y aller par là, mais ça doit être la porte fermée. Là-bas, c'est cassé. Ok, ils ont bien réussi le côté on a dissous la moitié des laits dans une piscine et on l'a envoyé dans les égouts, ça fait un truc de chair immonde. Ah bah si ça a été infecté et que c'est vivant, autant dire qu'on est dans la merde hein. Vite courir. D'accord, je cours. Pas de soucis, je cours. More exploders. God, there's more. Par où? Par là-bas. Pété. Aïe.
Oh non, il m'a one shot. Ah d'accord. Très bien, je vois. Totalement au pif, hein. Signalement d'incident sur le lieu de travail. On s'occupe déjà des sprinteurs. Oh non! L'échec. Putain. Il y a un sauteur. Barre-toi! Ah, je peux pas mettre deux coups quand je suis en train de me soigner. Très bien, c'est bon à savoir. Bah, je fais ce que je peux. Bah ouais, just get out, just get out. Fais ce qu'on peut. Bah ça y est, on est arrivé là où on essayait d'arriver. Away or like growing, turning into something totally fucked up. The missing biomass. That's why you didn't add up. What? Doesn't matter now. You need to get out of there. Yeah. I'll call again when it's safe. J'avais pas pu remonter, ça aurait été ballot. Ah, on a débloqué nuisible. Augmente les dégâts. Ok. Simplement. Ouais, on le sait, hein, le mec à la radio, c'était une idée de merde, il avait complètement raison, Sam. Oh là là, la biomasse manquante. Crémateur à distance. Parfait, on va pouvoir foutre le feu à distance. Ah, est-ce qu'on a eu des balles pour notre petit revolver? Parfait. Il va falloir qu'on en fabrique peut-être quelques-unes. On va mettre des flammes sur notre notre PM pour le plaisir. Hop. On répare un peu même si on n'a pas tant utilisé au final. Fabriquer des balles de pistolet. Ah ouais, non, on n'a pas ce qu'il faut pour fabriquer des balles de revolver. La loose. On a actuellement 75, un PM enflammé, exactement. J'en ai 38, là j'en ai 75, pourquoi j'en ai 75, je comprends pas. J'en fais. Non, je suis plein. Oui, c'est ça, c'est le PM qui utilise ça, mais le. Arme qui utilise ses munitions, c'est 1, mais c'est pas le symbole de l'arme, c'est pas du tout le fusil d'assaut qui utilise ça. Ok, c'est le PM qui utilise les balles de pistolet. Ce qui est logique. Du coup, les deux seules armes dont on sert, on n'a pas ce qu'il faut. Et ben, c'est comme ça. C'est ballot, c'est la vie. On fait avec ce qu'on a. Du coup, vu qu'on vient de monter de niveau, on va payer un petit peu pour égaler le niveau de notre bon vieux marteau des familles, que j'aime beaucoup. Et on va aller casser la gueule au docteur Reed. La biomasse manquante, je t'en foutrais moi de la biomasse manquante. Ouh, un traînard level 14. Monsieur quoi. 13, ouais. Attends, 2, 3, ça sera 14. Alors, ça s'est ouvert par là, mais il y avait une porte ici. C'est fermé. C'est fermé, ok, très bien. Et celle qui est là. Eh ben, il nous faudrait un fusible, on n'a plus de fusible. C'est ballot.
fait un... une horreur zombie dans les égouts, quoi. À la petite passerelle, juste au milieu. Non, je pense pas. Ouh, creaky. Ouais. C'est la whole vibe. Hey, zombies! Just gotta take it easy. Hey! Yep. Everything is still good. It's good. Oh! Good, 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 good. Here you are. I've been looking for you. Ok, t'es qui toi? Hey, lady. Do I know you? Know me? More than you realize. Okay, let's do this weird conversation some... Oof. Do you feel that? Oh, wow. Pulsing in your marrow. Like a promise. You brought friends. Look, I don't know who the fuck you are, but I gotta go. There's a doctor in Santa Monica waiting on me and my immune blood. You've got your eyes wide shut. Mm-hmm. Clinging to the edge of the pool. Too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. The fuck are you? Whoa! Hold on! Cette scène. D'accord, c'était ça la fameuse colère sanguinaire qu'il y avait dans les options. Ça a fait le taf, hein. Colère sanguinaire déverrouillée. Activez de la colère sanguinaire en exterminant des zombies en réalisant des contre-attaques. Une fois votre jauge de colère sanguinaire pleine, appuyez sur G. T'as encore un truc plus loin, quoi. Libérez le zombie qui est en vous et mettez en pièce tout ce qui se dresse sur votre passage. Ok, emplacement de colère sanguinaire. Porter des contres et tuer des zombies fait monter la colère sanguinaire. Il y a encore pas mal de choses qu'on n'a pas débloquées, hein. Gotta get out of here. Find the doctor. Non, parce qu'on n'a pas fini encore. Prisonnier dans la fosse à zombies. Voilà. Ouais. Complètement. Bon bah, la colère sanguinaire, ça fait plus le taf que... Ah, on peut boire des boissons énergisantes en plus pour monter la colère sanguinaire. Est-ce que ça fait monter ma colère sanguinaire si je fais ça? Oui. Ok, intéressant. Ah oui, tiens d'ailleurs, le sprinter livreur, qu'est-ce qu'il faisait déjà lui? C'est pas là, c'est ça. Zombie truc machin. Encyclozébi. Sprinter électrique, des tranchants. Ok, il fait plus de dégâts parce qu'ils sont remplis de couverts de trucs. L'hydraté on connaît.
Sprinter livreur. Les sprinter livreurs portent un sac rempli de barres protéinées et de boissons énergisantes. D'accord. Donc si on les tue, c'est bonus quoi. Toujours aller à l'endroit qui paraît le plus dangereux, exactement. Livraison express. Vous êtes en route, vous livrez jusque dans les jardins, les maisons et tout. Bonjour, désolé, il y a plein de dingues qui essaient de voler votre commande, j'ai dû faire un détour par les égouts. Quoi? Non mais ça va, tout est empaqueté sous vide. Écoutez, je pense que passer cette commande est une erreur, c'est dangereux dehors, vous devriez rentrer chez vous. Eh, j'ai jamais loupé une seule livraison, je suis la meilleure employée du mois depuis 7 mois, vous savez ce que ça rapporte? Je vais y arriver, je crache pas sur les pourboires. Oh, faudra un cataclysme pour m'empêcher de livrer. Eh, ça fait un moment que tout va bien, je commence à avoir la dalle. Ah bah non, ça s'est mal terminé. Du coup, maintenant, je peux boire les boissons énergisantes, même si ma vie est pleine. Ok, cool. Coucou, toi! Oh! Bien joué. Non, mais je peux pas dire. C'était bien joué. La petite esquive, là... franchement, elle était bien placée. Just keep moving. T'es morte. On a bientôt chargé notre colère sanguinaire, on va pouvoir se refaire un petit trip. Daylight, nearly there. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Des petits zombies là-dedans? Non, c'est bon, personne. Donc visiblement il y a d'autres gens immunisés comme moi qui se tapent des tripes sur voilà, on est devenus des dieux, je ne sais quoi. Faut voir la vérité. Survive kill robot. Yeah, that's more like it. Ah ouais, bah pas moi. Tu fouilles dans les chiottes comme dans Borderlands. Ah bah oui, Borderlands il t'apprend, il faut toujours aller dans les toilettes. Alors, appuyez sur G pour libérer le zombie qui vient en vous, hein. Peut-être pas tout de suite. Remarque, c'est un hurleur. Je vous prie, faites-moi approcher. Bon, ça manque de dégâts de zone ce truc. Déjà, on va soigner un coup. Non, le soin! Mets un soin en foiros. Tiens, ça t'apprendra à crier. Elle est déjà rechargée. Putain le. Ouais. Alors du coup on a débloqué un autre truc ici. Mutiler un zombie rend de la santé. Oh c'est bon ça. Bah ouais carrément. C'est hyper fort. Bon, bah le petit cocktail molotov dans le tas, il a fait le taf. Hein. Bon, je pense qu'en vrai, notre colère sanguinaire elle va être chargée quasiment tout le temps. Hein. Les aventures de Tina. Ah ouais, tellement un trip ça, les aventures de Tina. On n'a pas fait le... Bah justement, bah le 3 on l'a pas fait en entier déjà, on l'a juste commencé. Avec Chobiti. Et puis le Tina Wonderland, là on l'a pas fait du tout. Ok, toujours pas de moyen de faire des balles de pistolet, pas de revolver. Ah, j'espère qu'on va avoir moyen de se TP à un moment quand même. Hein. Thanks for the tip, Sam, but... I think I'll stick to above ground. Ouais mais je sais pas trop Kenton pourquoi on a pas trop accroché le 3, c'était pas le bon moment. Non c'est que je pouvais pas aller jouer avec mon PC. Si tu pouvais y jouer non? On avait commencé, ça marchait. Il me semble. Non. Avec celui-là là, le nouveau. Ah oui, oui, du coup oui, mais du coup oui. On l'a commencé et puis bah on n'accrochait pas trop donc. Calm and orderly my ass. Alors
En cas de suspicion d'un incident d'infection de niveau rouge dans votre véhicule, assurez-vous que toutes les portes sont fermées. N'entrez dans le compartiment des passagers sous aucun prétexte. Confirmez l'infection. Trouvez le bouton d'urgence à droite de votre volant. Dévoyez le bouton en tournant pour briser le sceau de sécurité. Éloignez-vous à bonne distance du véhicule en passant par la porte côté chauffeur. Mettez-vous à l'abri, attendez la force de réaction et suivez les instructions. D'accord. Il y a quoi ? C'est un bouton pour auto-détruire le... le bus. Bon, visiblement, l'évacuation s'est pas super bien passée. Comme vous pouvez s'en douter. De toute façon, s'ils en étaient à dissoudre les mecs dans, les, dans la piscine de l'hôtel. Par contre, la petite musique, elle est sympa. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre juste à côté de nous. Il y a une main en dessous là. Tu es morte, main? Ouais, tu es morte. So the evac buses all came here. End of the line. Bah ouais, ils sont tous venus ici, les bus d'évacuation, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui est évacué. Tu peux passer là? Ah non, il y a des barres, ok, d'accord. Faut que je me... oh, real nice. Venice Beach, back on track. Mouais. Santa Monica est des kilomètres d'ici sur la côte. Trouvez un endroit où vous reposer. Certes. Alors déjà, est-ce que sur la carte, il y a des trucs intéressants? Il y a, mais visiblement, avant, on a notre zone où il y a un safe ici. Ça ressemble à des survivants pour toi, ça? Tu les as vu où tes survivants, là? Sur le toit. Pour l'instant... Hell yeah! You guys all right up there? Oui. Jusqu'ici, ça paraît pas illogique. Alors, nettoyer le parking. Ah oui, c'est deux gros tas. Heureusement, on a un PM enflammé. Quoi, où ça? Le petit PM enflammé, il me plaît bien là. Ah, t'es là. Je vais leur foutre le feu. Elle va crever toute seule. Fermez la porte avant que les autres rentrent. Disjoncteur à disjoncter, comme par hasard. Disjoncte toi. Tu fous de ma gueule? Un disjoncteur. Il y en a un par terre. C'est pas un disjoncteur ça? Ah non, putain, il a c'est le disjoncteur mort. Alors ici j'ai ramassé un truc bleu, j'ai pas du tout vu ce que c'était. Je fouille d'abord la zone, hein, voir s'il y a pas un disjoncteur qui traîne, mais ça m'étonnerait, peut-être ici. Non, ça s'ouvre pas. Genre il faut que je fouille à la recherche d'un disjoncteur comme ça, à la fraîche. Abusé, non? Le checkpoint fait 13 division. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ou les... ah, ça fait save, ça me fait penser aux safe zones de Dying Light, moi, mais... Oh,
Bah ouais, mais où? Là il y a un fusible, ok, très bien. Tiens, on va se balader un peu, hein. Un truc dessus. Une pelle, tiens. C'est vrai qu'on avait jamais eu de pelle encore. Bah ouais, j'en reviens, pas de soucis. Je cherche un fucking disjoncteur, mec. Je vais te calmer. Ça, c'est juste un boîtier. Alors, ils peuvent pas être si loin le truc, il est forcément dans le coin. Need a new breaker. Ouais, peut-être tout connement juste en face. Ah bah voilà. Retrouver les gars du Blue Crab. Come in, quick. Thanks, bro. Ils savent faire à manger au moins. Ouais, ils vont me cuisiner. I'm Kai. Excuse the mess. I'm doing my best. Go through, the guys are in there. Yo. Holy fuck, it's Jack the Giant Slayer. Raw skill, man. Well, probably. You want to blast on a Trent special? I wish. Hit me up later, eh? Don't see any more of your swole bros, Alex. They ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. You don't even know the half of it. Ay. No can do, dudes. I gotta get to the Sterling Hotel. you're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... shit. Là, tu fous à côté, en plus, quoi. Thousands of those hambrains trapped in the evac zone. Then there's the death pits. Death pits? Listen to you assholes! The death pits! The emo motherfuckers. Look, we got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soak monsters everywhere! You know what I think? What? Hey, what you on. Fucking think, bud? I think we. Il a bien mérité. Ah putain. Get the mop. Okay, maybe these guys could use some help. Hello? This is
Emma. I'm trying to reach... Oh, this is stupid. Keep trying. Emma Jaunt? I hear you. Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Well, I did. I've got to find this doctor. Ça c'est bon, well, le quart de voyage rapide. If it doesn't work out, you're welcome back here. Sure. Stay safe, all right? All of you. Bye. Better not show the hundreds of bloody refugees. As soon as they found out what you're really like, they'd all leave anyway. Ah, les cartes de voyage rapide, ça c'est bon. Ok, cool. Ouais, le gérant, je sais pas si c'est le gérant ou si c'était le serveur, mais bon, en même temps, ils perdent pas au change avec la mort de ce type. Hein. Ça avait l'air d'être un gros asshole. Toujours des petits trucs dans les toilettes, hein. Grand classique. Hop là. On va débloquer un marchand ici. Oui, on dirait qu'il y en a un. Parfait. Pour acheter des fusibles. Alors, une caisse secondaire, un marchand, et balles de fusil, dommage, c'est pas ce qu'il nous faut. Mutilateur corps à corps rare. Oh. Alors, on va commencer par les trois fusibles. T'en as que deux ? C'était marqué trois. Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez de sous. On va commencer par vendre, du coup. Donc, on peut vendre les trucs qui sont dans notre casier ? Non, on dirait pas. Pas grave. Hop, on va déjà vendre ça pour se faire un petit pécule. Ça c'est quoi? Contrepoids. Prends tout de toute façon. Hop là, voilà, on sait bien ruiné, on verra si on trouve un casier. Are you gonna talk to him? No, I talked to him last time. Well, someone's gotta talk to him. Or hear me out. Just let Alex do his thing. See how that works out. Take it easy, dude. You ever heard of a rest day? Tell him we'll be back. And Moose. You named them? They were my buddies. Oh, right. I getcha. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Ah. They remember what I did. I know it. They got nothing left to remember anything with. So why don't they leave me alone? Who knows? Maybe they could sense Bud's lingering presence. Look, I'll go deal with them, then you guys should be fine, right? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Yeah, I could. Well, if we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. Chill, man. I got this. Ok, faut qu'on tue les... Alors, est-ce qu'on peut les mettre directement, genre si je fais F3? Ah non, F3 c'est pour récupérer. Ouais, non, ok. Y'a pas moyen de dire, tiens... Mets ça dans l'inventaire, vite. Ah mais, t'es bête ou quoi? Ok. Ouais, mon inventaire est plein, c'est prévu. Alors, vendre. Ah, il achète pas les trucs gris. Ok, on récupère. Friend of yours? Il a plus de fusibles. Nick ran the smaller one. Ah, Joe's Rentals. You know Joe's real name is Johan, right?
Figured people wouldn't want to buy surfboards from a Dutch guy. Yeah, that's because people here are dumb. The Dutch are a proud surfing nation. Wait. That can't possibly be true. Il y a vachement de vagues en Hollande. One second Bud is here, next second no head, so no Bud. Man. Yeah, that was rough. You guys will be all right. You just need to watch yourselves. Oh, we need our guns. Way to, like, defend ourselves. But, you know, you could do us a solid. Oh, yeah? Like what? The police station out on the beach. We heard gunshots the other night, so went to the roof to check it out. Some gnarly Alamo tier shit, man. Cops must have holed up there because they were blasting Z's away, but then, you know, nothing, silence. We tried to radio, see if they could, like, share supplies, but we got dead air, so, you know, they're probably Z's now. I mean, we only tried 911, so maybe... Whoa. Yeah? Easy, dude. I'm on it. Cool. Eh mais oui, c'est complètement à plan. T'as raison, What did Bud say? Giant... Fucking roid-soaked monsters everywhere? Yeah, that's why we need guns. Big guns. Huge caliber guns, dude. My folks were full of hate Ashbury, but now I understand what rednecks mean by feeling naked when they're not carrying. Alors, on a plus trop de balles, on a tout cramé du coup avec notre... notre truc. Donc des balles de fusil, on va en faire quelques-unes. De toute façon, on est blindé en ressources. Je peux plus. Là, je peux en faire un peu aussi. Là, je peux plus. Là, on est plein. C'est parti. Alors, par contre, on a débloqué perforateur au corps à corps rare. Ok, c'est le perforateur qu'on a amélioré. Donc, le perforateur, c'est pour toi. Voilà, parfait. Et là, on a débloqué un mutilateur, mais on n'a pas d'armes avec des mutilateurs. Great. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD au calme, tranquillou. Je vais faire une petite pause, le temps d'aller me faire un petit café et on se retrouve après. Merci à toutes et à tous et à tout de suite.